Que j'ai bâti. C'est terminé. Non. Mon peuple. C'est ma faute. Non, 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 ce n'est pas le pacte que j'avais conclu. Un pacte, oui. J'aime les pactes. Qui est là? Montrez-vous. Immédiatement. Pendant 1000 ans, prisonnier de ces abysses, je t'ai observé, scruté jusqu'au fond de ton être. Toi ? Ce ne sera plus très long. Ta fin est proche. Tu ne vis que par ma volonté. Lâche prise. Accepte de me servir. Toi, tu n'es rien. Rien? Je suis un dieu. Je régnais sur cette terre avant même ton existence. C'est splendide. Soumets-toi, et nous reconstruirons mon empire. Non. Non? Comment oses-tu? Meurs! En reine! Pas en esclave. Si tu m'as observé pendant 1000 ans, tu sais ce que je veux. Je t'offre les miens. Grâce à mon peuple, je lèverai une armée. Je triompherai de tes ennemis, te bâtirai un empire en tant que reine. Ou alors, tu peux me laisser mourir et rester ici. Pour l'éternité, un dieu oublié.
Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler justement eh bien, du prémisse concernant Ashara, donc la reine des bien-nés, la reine des Nagas et autrefois reine des elfes de la nuit. Alors un petit rappel pour concernant ce qui, justement Ashara, parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément le personnage. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, donc je vais essayer d'aller le plus vite possible sans que la vidéo dure trop longtemps. Vous savez que quand je dis ça, généralement, ça dure longtemps. Mais du coup, Ashara, tout simplement, on fera une vidéo spéciale que j'ai prévue, on a prévu avec Evan Sœurs pour la bosser ensemble. C'est la guerre des anciens évidemment qu'on fera ensemble, et ce qui fait qu'on va traiter en fait toute la partie qui se passe juste avant justement le début de la cinématique, c'est-à-dire à ce niveau-là, vous voyez, quand la ville est belle, tout ça, tout ça. Sachant que la ville qui est représentée ici d'ailleurs, ce n'est pas Sur-Amar pour ceux qui auraient des hésitations, c'est Zinashari, la capitale des elfes de la nuit. Vous pouvez déjà avoir un peu plus de détails concernant cette époque avec ma vidéo sur les elfes, avec sur les hauts elfes et Valyra, et également les trolls d'un autre point de vue, d'un point de vue extérieur. Avec la vidéo sur les trolls, il y a également la vidéo sur Ragnaros, mais là-dessus on en reparlera. Sachant que bah, il y a la vidéo sur Alexstrasza en fait, Ragnaros, enfin hauts elfes, Alexstrasza, Ragnaros et les trolls, pour vous aider un petit peu sur les époques anciennes de Warcraft. Du coup, pour parler un petit peu d'Ashara, donc c'est la grande reine de l'Empire Elfe de la Nuit de l'époque, donc les Kaldorei. C'est tout simplement la reine des bien-nés, donc les Kaldorei, je crois, si je ne dis pas de bêtises, les bien-nés c'est Kaldorei, puisque ça va devenir les hauts elfes derrière les Kaldorei, enfin une partie va devenir les hauts elfes. La plus grande partie va devenir des Nagas. Mais du coup, c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est de voir que Ashara, donc c'est une reine qui est... Alors, on le connaissait déjà, parce qu'au final, on apprend pas des milliards de choses sur ce prémisse, mais c'est vous nous ramène un petit peu le contexte, et surtout la mise en scène qui est absolument sublime. Vraiment, moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais... Vous savez, voilà, t'as le cœur qui bat. En plus, ça fait quoi? Ça fait 17 ans qu'on nous la tease, la petite Ashara, depuis Warcraft 3. Donc, c'est vrai que... Ça fait un moment qu'on l'attend, la pépette, hein. Ça fait un moment. Et du coup, j'espère d'ailleurs qu'elle ne mourra pas au premier raid, ce serait un peu décevant. Pour rappeler, donc Ashara, c'est tout simplement la reine des elfes de la nuit, et elle est immensément puissante. Beaucoup pensent que Jaina, avec la dernière cinématique, etc., c'est la mage la plus puissante. Non, Jaina est une des mages les plus puissantes humaines. Ou peut-être même la mage la plus puissante humaine, bon, il y a Egwene, etc. Mais c'est une des mages les plus puissantes qui ait jamais existé. Ashara, pour vous donner un niveau de puissance... Avant qu'elle fasse son pacte avec Nizzat, Ashara, elle était quasiment l'égale de Kil'jaeden et d'Archimonde. En termes de niveau de puissance, peut-être un peu en dessous, on va dire, un petit peu en dessous, mais pour vous donner le niveau, pour vous donner le niveau. Alors je sais, vous allez me dire, mais Archimonde, je l'ai défoncé, machin. Ouais, mais bon, hein, Archimonde, c'est censé être le général, le bras droit de Sargeras. Donc c'est des êtres super puissants. Imaginez la puissance, de toute façon, on va en revoir en détail, mais ce personnage n'a d'égal que, bah, alors je rappelle, les yeux jaunes, hein, qui indiquent justement le fait que Ashara soit destinée à quelque chose de très grand. Et n'oublions pas que, eh bien, elle a fait en sorte que les elfes de la nuit passent d'une nation à un empire véritable. Alors ça, par contre, on l'apprend avec cette vidéo, parce que c'est vrai qu'on ne le savait pas forcément, mais du coup c'est elle qui a fait justement que l'Empire Elfe de la Nuit soit aussi puissant. Avant c'était une petite nation insulaire, enfin pas insulaire mais au bord d'un lac, et au final elle l'a développé de telle sorte que ça couvre quasiment 80% du globe, enfin 70% du globe peut-être. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la mage la plus puissante du monde d'Azeroth, hein. C'est vraiment un être doué d'une puissance destructrice, et justement, bah, on va le voir après, puisqu'elle va carrément arrêter un tsunami. Alors on pourrait dire, oui c'est juste un tsunami, c'est pas un tsunami. C'est pas un petit tsunami, ce n'est pas un grand tsunami, c'est bien plus que ça. On en reparlera. Alors tout d'abord, pour commencer un petit peu, pour analyser tout ça, je suis bien sûr très conquis par la vidéo, on va en parler, mais il y a des thématiques moi qui m'ont beaucoup marqué. Pour commencer, donc Zinashari avec rien que, c'est vrai que les elfes de la nuit sont souvent représentés avec la couleur violette, et là on met la couleur bleue, et je pense que c'est pas anodin. Alors beaucoup vont se poser la question, parce que moi-même je me suis dit, et tout de suite je me suis répondu moi-même à cette question quand je l'ai vu lors du premier visionnage. Prémisse, n'oubliez pas que vous êtes du point de vue du personnage. C'est-à-dire que pour Jaina, vous étiez sur le point de vue de Jaina et des Kul'Tiraciens pour la chanson. Ensuite, vous avez le point de vue de Sylvanas qui explique que voilà, elle meurt machin différemment et qu'Arthas ne parle pas du tout, quoi que ce soit, que la cinématique soit différente. Pour Ashara, c'est pareil. C'est-à-dire que là, vous avez la vision d'Ashara, de Zinashari lors de ses derniers jours. Alors que ça ressemble pas du tout à ça au final, Zinashari.
Imaginez que les structures, etc., ressemblent à ça, mais Zinaj Shari, là, à ce moment-là, imaginez plutôt Suramar à Légion, quoi. C'est vraiment, c'est tout verdâtre, et il y a une invasion démoniaque en cours, avec, on peut imaginer une espèce véritablement un apocalypse. C'est un peu le déluge de la Bible, hein, qui va arriver. Donc, c'est pas un soleil radieux, des petits nuages. Là, on a plus l'impression d'être à Santorin que, on a plus l'impression d'être en été à Santorin que véritablement dans un monde d'apocalypse, avec des démons qui sont partout, etc. Donc là, au final, je rappelle que ça se passe pendant l'invasion démoniaque. Donc cette trame, encore une fois, on en parlera dans une vidéo, ça sera la guerre des anciens, on se consacrera là-dessus, donc je vais pas perdre trop de temps. Ce qui fait que c'est vrai qu'il y a vraiment, en plus, même la musique, rien que la musique, on va se réécouter ça, la musique nous fait vraiment penser. Moi j'ai eu un petit peu, pour ceux qui ont vu 3 le film, moi ça me fait vraiment penser à 3 avec cette cité gréco-romaine, enfin la cité grecque, hein, avec cette petite musique lyrique là. Là, moi, j'imagine 3 plutôt. Ça me fait penser à 3. Et d'ailleurs, je pense que la mythologie, je pense que vous l'avez vu sur les 3 prémices, mais la mythologie grecque est clairement présente dans le prémice sur Jaina, mais également celui-là. On avait parlé de Charon dans Jaina. Là, en l'occurrence, on voit un petit peu les grandes cités grecques légendaires. On peut penser, bien entendu, moi j'ai pensé à 3 avec la petite musique et la petite scénarisation, mais on voit directement les îles grecques de Santorin. Moi je pensais à Santorin, ça ressemble vraiment beaucoup à Santorin. Pour ceux qui jouent Overwatch, ça vous fera penser aussi, je sais plus le nom de l'île, bon c'est pas grave, mais du coup c'est tout simplement la Santorin d'ailleurs d'Overwatch. Et à côté de ça, bien entendu, ce qu'il faut penser c'est l'Atlantide. Une civilisation en avance sur tout le monde et qui va sombrer sous les flots. Donc la capitale Zinaj Shari qui deviendra Nash-Jatar quand elle sera sous les flots. Sachant que ce que j'adore avec ce plan, on voit aussi le côté astrologie, etc. des toits. Je sais pas si vous avez fait attention avec le côté voilà, très avancé culturellement, etc. Le côté culturel, magnifique, il y a des planisphères, etc. Donc c'est vraiment superbe pour vous montrer que c'est une civilisation bien avancée. La musique qui devient dramatique, l'ombre qui avance. Et là, moi j'adore ce plan. Ce plan est magnifique parce que ce plan vous montre en fait l'échelle. Parce que là on se dit ouais, oh, c'est une petite cabanette avec un petit truc. Et vous avez la taille des oiseaux. Vous avez la taille des oiseaux et vous avez la contre-plongée avec qui vous montre qu'en fait en haut des bâtiments vous avez des jardins. Et il faut imaginer que Zinaj Shari c'est une ville qui s'est construite sur des centaines et voire des milliers d'années en fait, puisque c'est la capitale de l'empire Elfe de la Nuit, et que les Elfes de la Nuit ils sont immortels, donc ils vivent très longtemps. Et ce qui fait que vous avez justement ce contre-plongée qui vous montre en fait la taille de la ville, qui est colossale. C'est pas une petite ville avec un gratte-ciel de 20 mètres. C'est immense en fait, c'est immense. Et sachant que on vous met sur ce bâtiment-là pour vous montrer la différence avec les plus grands bâtiments de Zinaj Shari. Donc c'est quelque chose d'immensément grand. Et à côté de ça, donc moi ça me rappelle beaucoup Rogue One, le plan d'ouverture de Rogue One avec, vous savez, le chasseur Thaï, le chasseur TIE. Et à côté de ça, il y a le Destroyer, et ensuite on passe à l'échelle de l'étoile noire. C'est un plan qui est magnifique. Et là, instantanément, on vous montre que tout ça c'est très grand. Mais un petit peu à l'image, ça me rappelle aussi Warcraft 3 un petit peu, vous savez, avec Archimonde qui balaye Dalaran en mode Dalaran, l'un des plus beaux joyaux de la civilisation humaine, une ville qui allie culture, connaissance, etc. La nature en un... on nous rappelle en fait que la nature, elle peut nous balayer d'un coup. Ça fait très le jour d'après, bien entendu, les films catastrophes. Mais là, en l'occurrence, bah voilà, le tsunami, ils avaient beau être la civilisation première avec plus d'intelligence, d'intellect, etc. C'est rien du tout à côté de ce qui arrive. Alors cette vague, c'est très compliqué de la mesurer. Donc je rappelle qu'en fait c'est l'effondrement. Donc c'est pas un tsunami classique, hein. C'est pas un tsunami classique, c'est tout simplement ce qu'on appelle le cataclysme. Enfin, c'est ce qu'on appelle la grande fracture. Mais en vrai, moi je conteste un petit peu le nom, parce que je pense que la grande fracture, donc celle qui a été créée dans Cataclysme, World of Warcraft Cataclysme, c'est une fracturette, hein. Si on devait appeler la grande fracture, ce serait ce moment là parce que le véritable cataclysme, le mot cataclysme qui est censé être un synonyme d'apocalypse, cataclysme, c'est ça en fait. 70% de la terre de l'époque, elle est sous l'eau maintenant. Ce que vous avez avec Kalimdor et le continent d'Azeroth, donc les royaumes de l'Est, c'est qu'un fragment de ce qu'il y avait avant. Et tout ça est passé sous la flotte. Parce que justement, le puits d'éternité, donc je vous laisse aller voir la vidéo sur les elfes, j'en avais un peu parlé, on fera la vidéo sur la guerre des anciens. Mais le puits d'éternité, donc là où le lac de puissance magique qui était une plaie, avec une espèce de cendre en fait du titan Azeroth qui sommeille dans le monde,
Donc ça permettait aux elfes de devenir immortels en se servant de la magie du puits. Et au final, la Légion Ardente, donc Sargeras, a essayé, les démons ont essayé de rentrer à travers par ce puits. Et en fait, Malfurion l'a fait écraser sur lui-même pour détruire Sargeras. Parce que sinon, Sargeras serait passé et du coup, on l'a fait s'effondrer dessus. Le problème, c'est que ça crée un véritable. C'est pour ça que j'appelle ça le premier cataclysme, parce que c'est un véritable cataclysme. Et là, c'est pas une vague de. Alors, faut savoir que les tsunamis, on a tendance à mettre des hyperboles tout le temps, du 500, du machin et tout ça. Une vague de 30 mètres, c'est immense. Hein. Une vague de 30 mètres, c'est ce que les Japonais parfois prennent souvent dans la gueule. Enfin, prennent dans la gueule et c'est les pires tsunamis. Hein. 30 mètres, c'est énorme hein, comme vague. Hein. Là, en termes de hauteur. Je pense qu'on est plutôt sur du 500. Je pense qu'on est plutôt sur du 500 mètres. Un demi-kilomètre de hauteur. C'est énorme. C'est énorme. Je crois que je sais plus combien, à partir de combien l'atmosphère s'arrête, mais c'est pas énorme. Donc je pense qu'on est sur un truc comme ça. Hein, 500 mètres, maximum un kilomètre, je pense, de hauteur. Mais c'est énorme. C'est énorme la vague que va prendre la tronche. Et c'est ce qui va balayer le monde. C'est ce qui va redessiner les cartes de Warcraft. Donc imaginez la puissance du truc. C'est pas un petit tsunami, hein. C'est pas une petite vague, c'est pas la vague que Jaina a voulu balancer sur Orgrimmar. Hein. Là, c'est de la gnognotte, c'est un millième de ce que ça représente. Hein. Et c'est là où vous voyez la puissance d'Ashara. Et c'est là où vous voyez que c'est le plus grand mage qui ait jamais existé sur Azeroth. Elle arrive à contenir. Elle va pas réussir à le bloquer, mais elle contient ça pendant quelques secondes. Une vague d'une puissance destructrice qui va balayer le monde. Qui va redessiner les cartes. C'est une vague à l'échelle planétaire. Et elle l'arrête pendant une minute. C'est la puissance du personnage. Hein. Alors là, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un peu le côté Ashara, reine protectrice. Parce que dans le peuple des elfes de la nuit, on a Ashara est considérée comme Ashara, c'est un personnage qui est très arrogant, très imbu d'elle-même, c'est très narcissique. Hein. Elle a souvent un miroir représenté dans la guerre des anciens parce que voilà, il y a personne qui trouve grâce à ses yeux. Elle est, il y a qu'elle en fait qui est la plus puissante. Et c'est justement ce qui va faire que Sargeras, elle va tomber en fait un petit peu sous le charme de Sargeras parce que elle se rend compte, en fait, elle admire la puissance. C'est-à-dire que du coup, les bien-nés, les elfes nobles qui la suivent. Qui vont devenir la plupart des nagas ou alors les hauts elfes et plus tard elfes de sang, etc. La plupart des bien-nés, en fait, ce sont des elfes très puissants et du coup, elles respectent ce peu de puissance. Mais au final, ce sont ses esclaves. Par contre, ça, elle respecte énormément la puissance. Du coup, Archimonde, par exemple, elle respecte beaucoup Archimonde. Et Sargeras, elle est presque tombée amoureuse de Sargeras parce que bah, c'est un être qui est plus puissant qu'elle. Et elle, en tant qu'être le plus puissant de la Terre, en fait, de la planète. Ah, c'est vrai qu'elle respecte les êtres un peu plus puissants qu'elle, et on verra avec Nizzat après. Du coup, le pacte qu'elle avait formé, c'était avec Sargeras, elle aurait justement été à ses côtés, et probablement serait devenue l'équivalent, enfin peut-être le troisième lieutenant d'Archimonde avec... troisième lieutenant, pardon, de Sargeras avec Archimonde et Kil'jaeden. Donc on voit le peuple elfe de la nuit qui adore, hein, qui adore Ashara, telle une déesse. Hein. C'est vraiment, faut comprendre qu'Ashara, c'est plus qu'une reine. Hein, c'est considéré comme une déesse parmi les peuples elfes de la nuit. Donc là, on voit justement qu'elle protège son peuple. Alors là, on se dit, elle est super gentille, Ashara. Quand on voit la taille de la vague derrière, c'est... Et elle arrive à tenir ça. C'est... Voilà. Bon, là, c'est particulièrement dérangeant. On l'entend souffler parce que voilà, c'est pas simple et on entend le poisson. Alors là c'était le moment hentai hein, bien entendu c'était le moment hentai de la vidéo. Mais alors ce qui est très intéressant c'est que justement toute cette vidéo est un petit peu un clin d'œil au pacte avec le diable. C'est très, très commun d'ailleurs dans l'univers de Warcraft et dans Star Wars, etc. L'idée que voilà, tu choisisses de rejoindre le côté obscur, on va dire, pour récupérer du pouvoir. Arthas avait fait ça en se servant de Frostmourne et du coup, il avait pactisé en fait avec Ner'zhul pour vaincre son ennemi. Là c'est exactement pareil et c'est encore plus explicité je dirais dans cette vidéo parce que par exemple là c'est vraiment le pacte avec le diable, on voit l'œil rouge du poisson etc, le poisson noir et c'est vraiment un clin d'œil à la plupart des mythologies monothéistes donc par exemple bah, la Bible etc où vous avez très souvent le diable qui se cache dans des petits animaux qui va essayer de parler à différents prophètes etc pour les faire passer de l'autre côté on va dire. Et c'est intéressant parce que
Nizzat qui est au fond des profondeurs, enfin il est dans les profondeurs. Au final, il se sert d'un poisson pour pouvoir parler. Et là, il observe Ashara. Alors, il y a un rapport avec le regard et les yeux dans cette vidéo qui est assez extraordinaire. C'est ce qui est assez extraordinaire, mais on y reviendra après. Donc, elle arrête un cataclysme pendant un petit moment. La musique toujours épique, en mode la musique toujours... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que je rappelle que là, on a la première voix de Nizzat. Donc, le murmure, vous savez que c'est même une extension sur Hearthstone, le murmure des dieux très anciens. C'est les dieux très anciens, donc les 4 DTA, c'est inspiré énormément. Et là, dans cette vidéo, on le verra, hein, mais les dieux très anciens sont inspirés de l'œuvre de Lovecraft avec les grands anciens, je crois, le nom des dieux. Et au final... C'est, faut imaginer que c'est l'horreur à l'état pur en fait, Lovecraft, c'est-à-dire l'horreur insidieuse, l'horreur à l'échelle cosmique. Et du coup, vous avez des, en gros, l'humain n'est qu'un pion que des forces sombres jouent avec et l'utilisent. Donc c'est assez énorme puisque là, on voit justement le petit murmure Nizzat qui commence à parler en utilisant la voix d'Ashara sur elle-même pour lui faire croire que c'est elle-même qui parle, alors qu'en fait, bah, c'est Nizzat qui lui murmure des choses à l'oreille. Et Nizzat va changer quasiment 4 fois de timbre de voix, je crois, dans cette vidéo. Reine. Alors là, on voit les yeux jaunes hein, qui indiquent qu'elle a une grande destinée, qu'elle c'est un être immensément puissant. Je vous rappelle que Illidan a également les yeux jaunes, ce qui indiquait qu'il avait un destin exceptionnel. Et Malfurion, ça a changé, puisque Malfurion au départ avait les yeux jaunes, étant donné que c'est un vrai jumeau d'Illidan. Et d'ailleurs, ça se voit, bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais si vous regardez l'évolution physique d'Illidan, avec les cornes, les sabots, etc., les ailes, Malfurion dans World of Warcraft, et ça, je trouvais ça intéressant, a subi la même, mais en version nature. C'était assez intéressant. Le truc, c'est que Malfurion. Bah, ils ont à un moment laissé les yeux jaunes, à un moment plus les yeux jaunes, à un moment les yeux jaunes. On sait plus. Du coup, on sait plus vraiment pour Malfurion. Et ceci est l'Empire que j'ai pas. Alors, ne vous laissez pas tromper, puisqu'au début, on a vraiment le sentiment voilà, de la Ashara protectrice, mais on avait presque le sentiment que c'est... Alors, on le rappelle qu'on est d'un point de vue d'Ashara, donc elle-même, des fois, se donne le beau jeu, le beau rôle en disant qu'elle est la protectrice, et c'est comme ça que son peuple la reconnaît. La protectrice, celle qui... Notre souveraine, notre déesse protectrice. C'est presque l'équivalent des lunes, hein, en plus mortelle, parce qu'on la voit, quoi. Mais c'est vraiment un peu ça pour la population elle de la nuit. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, elle explique justement qu'elle protège la ville... Parce que c'est l'Empire qu'elle a bâti. Ce n'est pas parce qu'elle veut protéger les innocents, tout ça, la veuve et l'orphelin. Elle veut protéger l'Empire qu'elle a bâti. Vous voyez le côté narcissique ici, le côté orgueilleux, le côté c'est moi qui l'ai fait, c'est moi, c'est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Hein. C'est vraiment le... Voilà, c'est... Là, on connaît Team Connasse. Hein. Y a Sylvanas, y a Ashara, quoi. Donc c'est vraiment le côté voilà, très arrogant, très narcissique. Je sais même pas à ce niveau-là s'il y a un terme autre que arrogant et narcissique, tellement c'est important. C'est un euphémisme. Nizzat qui lui dit que c'est terminé, lâche prise. Alors pourquoi Nizzat fait ça? Bien entendu, il la veut dans ses rangs. Hein. Il veut un être aussi puissant dans ses rangs. Donc elle arrive pas à tenir, malgré tout. Elle arrive pas à tenir parce que bah, c'est trop puissant, hein, forcément. Et là, c'est assez intéressant. Alors on va voir justement. Alors on sait pas trop si c'est elle-même ou si c'est les dieux très anciens. C'est le problème avec les dieux très anciens, c'est comme c'est très insidieux, très on te sous-entend des images, etc. On sait pas trop si c'est elle-même qui. Parce que n'oublions pas qu'on est du point de vue aussi d'Ashara. Donc on sait pas trop si c'est elle-même ou si c'est Nizzat qui lui montre cette vision. Mais on va voir justement. On va voir justement que bah, la vague a emporté tout. On voit Zinashari qui deviendra Nash-Jatar, hein, je le rappelle derrière. Tout le peuple des bien-nés, tous les elfes de la nuit bien-nés, ainsi qu'Ashara qui sont emportés par les flots. Elle perd sa couronne. Là déjà c'est un premier symbole. Elle perd sa couronne de reine. Son empire a été détruit, elle perd sa couronne. Et encore une fois la forme de la couronne, et ça je trouve ça assez dingue, l'œil. Et cette vidéo, quasiment les trois quarts de ce qu'on vous montre, c'est des formes circulaires. C'est impressionnant. Et je rappelle que la thématique de l'œil, qu'on verra beaucoup après, l'œil, c'est censé représenter la fenêtre de l'âme. L'âme, sachant qu'on est dans une vidéo qui est, on pourrait l'appeler le pacte avec le diable. Et au final, l'œil, justement, c'est l'âme.
C'est la fenêtre de l'âme. Et c'est aussi des jeux de couleurs, des jeux de lumière. J'ai pas été chercher toutes les symboliques avec l'œil, mais l'œil, tout simplement, faut imaginer l'âme, faut imaginer. C'est aussi quelque chose qui est très présent dans la mythologie. Sauron dans le Seigneur des Anneaux, qui a quand même révolutionné l'heroic fantasy, etc. Bah, vous avez toujours ce principe, cette thématique à l'œil qui vous juge, qui vous scrute, qui vous. Qui vous mesure un petit peu. Et elle perd sa couronne dans une lumière. Sachant qu'ensuite elle perd connaissance. Et c'est là en fait où est-ce que. Voilà, est-ce que c'est une vision que Nisat lui montre ou est-ce que c'est elle-même qui est jugée par ses propres actions? Voilà, son propre peuple qui la juge, vous nous avez abandonnés, vous avez promis l'éternité. Alors ça c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on voit un moment de faiblesse. En même temps, c'est le désespoir incarné. Hein. Pour elle, elle est en train de crever, enfin elle est en train de mourir sous l'eau. En train d'être mourir asphyxié. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, c'est la première fois qu'elle montre du remords. Elle dit, c'est ma faute, mon peuple, je les ai abandonnés. Donc là, il y a le côté culpabilité, le côté empathie, en fait, d'Ashara. Et tout de suite, non, c'est pas moi. Non, ce n'est pas le pacte que j'avais conclu. Voilà, parce qu'elle parle du coup du pacte qu'elle avait fait avec Sargeras, donc avec la Légion Ardente. Sauf qu'au final, eh bien, ce qui s'est passé, ça n'a pas fonctionné, on va dire. Ce qui s'est passé n'a pas fonctionné. Alors, j'adore la voix. Alors, je suis un petit peu ému parce que ça me rappelle la musique, enfin, la voix. Alors, c'est la voix. Alors, j'ai oublié le nom du doubleur, ça m'énerve, je suis désolé. C'est celui qui fait Smaug dans le Bilbon le Hobbit. Mais au départ, j'ai cru que c'était Patrick Béthune, le regretté doubleur de Raynor. Mais en fait, c'est pas... Un pacte, oui. J'aime les pactes. Alors... Personnellement, j'ai regardé la VO et la VF et j'aime beaucoup les deux. Honnêtement, j'aime beaucoup les deux. Je préfère peut-être la V... Enfin, en vrai, plus je l'écoute et plus j'aime bien la VF d'Ashara. Mais au début, j'ai eu un problème avec la VF d'Ashara et en fait, ça allait. En fait, ça va. Mais alors, par contre, Nisat... Alors, Nisat, en anglais, on sent le côté la puissance. En français, on sent... La corruption et la... La fourberie, on va dire. On sent la fourberie. Et j'adore cette intro. Un pacte. Oui, j'aime les pactes. Alors moi, tout de suite, là, ce moment, on parle de pacte. Le pacte, bien sûr, avec le diable, hein, la relation mythologique avec le fait qu'il y a un contrat qui se conclut entre deux parties et qu'au final, tu vendes ton âme pour t'accorder de la puissance. Ça, c'est le pacte diabolique, c'est le pacte avec le diable. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, Nisat ressemble énormément à Lucifer. Lucifer, je rappelle, c'est... C'est tout simplement Satan. Lucifer, c'est l'ange, l'archange qui a trahi Dieu et qui du coup est devenu l'archidiable, on va dire, le démon. Et ce qui est très intéressant, c'est que au départ, il y a cette forme de poisson qui représente encore une fois Lucifer, etc. Prenait des apparences, l'apparence de la bête. Hein, voilà, il prend plusieurs apparences pour venir corrompre. Et là, on voit cette voix absolument superbe, cette voix somptueuse qui montre justement le côté corrupteur de Nisat. Alors je rappelle que ça se prononce Nisat. Alors je crois que c'est le début, je suis peut-être pas sûr pour Ni, mais en tout cas c'est Zat à la fin. Après le truc c'est que n'oubliez pas que dans l'univers de Lovecraft, les dieux, les grands anciens, ils parlent dans une langue que l'humain ne peut pas parler en fait. Du coup, si vous dites Nisot, Enzot, Nisat, ça marche aussi en fait. Il n'y a pas de vraie prononciation, même si la prononciation phonétique la plus proche, je crois que c'est Nisat exactement. C'est Nisat ou Niazat, un truc comme ça. Donc voilà, mais bon, si quelqu'un dit Enzot, ce n'est pas faux en fait. Puis de toute façon, si vous voulez dire Muradin, c'est moche, mais vous pouvez le dire aussi. Montrez-vous immédiatement. Là, on voit encore une fois le côté très impérieux de. Voilà, c'est montrez-vous immédiatement, je suis votre reine. C'est vraiment le côté, voilà, tu. Je suis l'impératrice et on continue à voir. Alors ce qui est très intéressant, ce que j'aime beaucoup avec l'ambiance de la vidéo, c'est cette partie en fait très... Alors pour ceux qui ont peut-être joué à des MMO, vous avez Secret... Ah mince, j'ai oublié, qui est justement dans l'univers de Lovecraft. J'ai oublié, j'ai un trou, c'est Dark... Secret World? Non, Dark World... Dark World, Secret World? Non, c'est Secret World. Et ça marche très très bien, c'est vraiment le côté ambiance très noire, ambiance Lovecraftienne, hein, ambiance Lovecraftienne avec le fait que ce soit une horreur, l'horreur des ténèbres, l'horreur du noir, la peur naturelle en fait, hein, quand on est être humain, on a peur. Il y a les deux peurs les plus insidieuses, c'est quoi? C'est la peur de se faire bouffer, c'est la peur de se faire dévorer parce qu'à la base ça nous rappelle qu'on n'est que des animaux, et l'autre partie c'est la peur du noir, parce que le noir représentait voilà, les bêtes qui pouvaient nous bouffer, etc. Donc très souvent ça marche ensemble, hein. Mais du coup c'est vrai qu'il y a la peur du noir, et Lovecraft c'est exactement ça avec des monstres, etc. venus des profondeurs qui te bouffent. Dans mille ans.
Alors, erreur de traduction française, ça c'est un petit peu dommage, il y en a eu. La pire était dans Sylvanas, mais erreur de traduction française, ce n'est pas pendant 1000 ans, c'est pendant des milliers d'années en anglais. C'est during a thousand of years, un truc comme ça. Mais du coup, pendant 1000 ans, ça ne fonctionne pas, parce que l'Empire des Elfes de la Nuit a duré bien plus que 1000 ans. Du coup, c'est vrai que pendant 1000 ans, bon, on te donne une date alors que c'est. L'idée c'est de faire un truc vague en mode pendant des milliers d'années je t'ai observé. Pendant 1000 ans, c'est-à-dire qu'est-ce que tu foutais avant? Bon, il y a une petite erreur là-dessus, c'est un peu dommage, mais ça change pas grand-chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Nisat, et c'est là où on voit que c'est un dieu très ancien et une reine très puissante, une impératrice presque, on pourrait dire, qui vont. Alors, moi j'avais l'impression, ça c'est presque à montrer dans les écoles de commerce, c'est-à-dire profiter de chaque argument adverse pour pouvoir le contrer, etc. Parce que là, concrètement, c'est du marchandage. C'est la vidéo capitaliste la plus pure, non pas du tout, non, mais c'est vraiment du marchandage, c'est du commerce. C'est du commerce que les deux se donnent. La différence, c'est que c'est des milliers de vies qu'ils sont en train de s'échanger. Mais du coup, Nisot montre une de ses faiblesses et il dit « je suis prisonnier de ses abysses ». Gardez-le en tête puisque Ashara va l'utiliser, bien entendu, à son avantage. Je t'ai observé. On est complètement dans des négociations. Là, c'est vraiment un jeu de dupes qui se crée entre les deux. Jusqu'au fond de ton nez. Bon, là, c'est le côté, voilà, c'est le côté aussi Lovecraft. On a cette espèce de brume noire. On va beaucoup jouer avec les couleurs et le même le montage de la vidéo doit vous mettre mal à l'aise. C'est normal que ça vous mette mal à l'aise. Entre les jumpscares, entre l'ambiance sombre, entre les plans très serrés au niveau des yeux, ensuite un plan large. Parce que le plan serré en mode tu es comprimé, t'arrives pas à respirer, t'arrives pas à bouger. Et d'un autre côté ensuite on te met un plan large mais avec un seul personnage et un fond énorme pour te montrer aussi l'ambiance et l'échelle en fait de ce qui se joue. C'est très intéressant je trouve. Le côté on te zoome sur la tronche en mode ah regarde. Et ensuite dans l'immensité un peu de l'espace, ça fait un peu, vous savez, l'immensité de l'espace où tu te dis, ah, t'es rien du tout là-dedans. Il y a ces deux jeux-là qui marchent très très bien, et aussi les petits jumpscares avec la musique, voilà, le petit jumpscare avec l'espèce de piranha, qui, d'ailleurs, ça me fait pré-penser au poisson cuirassé, ce qui pourrait être aussi une petite représentation du fait que, voilà, il vient d'un autre temps, en fait, il vient d'une époque, c'est comme si, voilà, vous aviez un monstre qui datait de la préhistoire qui revenait. J'avais un peu le sentiment comme ça, je sais pas si c'est voulu, parce que ça fait très, le piranha, j'ai oublié, c'est le piraroku, un truc comme ça, le piranha très vieux, là, qui date des dinosaures. On voit le côté lumière, hein. Je rappelle qu'Ashara, l'un de ses titres, c'est La lumière des lumières, qui va devenir La lumière des abysses, un truc comme ça d'ailleurs. Mais on la voit quasiment très sexualisée, Ashara, forcément, elle a toujours porté des tenues très minces. C'est presque qu'elle est en nuisette non-stop, hein, Ashara, pour vous montrer le côté... elle est forte partout, en fait, elle est bonne et... Enfin, mauvais choix de mots. Elle est divine dans tous ses aspects. C'est la mage la plus puissante, c'est la plus belle, c'est la plus... waouh, enfin... Son peuple est presque amoureux d'elle en fait, c'est assez impressionnant. Et elle entretient cette relation très malsaine en fait, hein, à Ashara. Et on voit la négociation. Ce ne sera plus Nisat qui se met sous son premier apparence. Donc changement de voix, hein. Tout à l'heure il a utilisé la voix d'Ashara. Là maintenant il utilise une voix très mielleuse, on va dire. Donc là, pourquoi la négociation est comme ça? Nisat maintient en vie Ashara et lui dit bah de toute façon, va falloir, parce que apparemment, donc il faut quand même que Ashara accepte de servir Nisat, il peut pas forcer un personnage aussi puissant, il peut pas lui forcer la volonté. Et du coup, Nisat lui dit, bah écoute, regarde tes options, t'en as aucune. Donc rejoins-moi, sinon t'es morte. Et c'est là où on voit qu'Ashara est douée quand même. Que par ma volonté. Voilà, il m'explique, voilà, tu ne vis que par ma volonté. Encore une fois, l'œil, le jugement. Et là, l'œil sombre, hein, l'œil vraiment, on sent le côté obscur des dieux très anciens. Avec ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas du tout d'apparence violette. Et ça me fait plaisir parce que malheureusement avec Légion, on avait vu que voilà, les démons c'est vert, c'est tout. Il n'y a pas de démon bleu, il n'y a pas de... Alors ce qui est complètement con, Sargeras c'est rouge, Kil'jaeden est rouge, Archimonde est bleu. Donc il n'y a pas de vert là-dedans. Et c'est vrai que malheureusement Légion a... Enfin, on vous prend un peu pour des cons, hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas représenter autre chose que par une couleur. C'est-à-dire les démons c'est vert et le vide c'est violet. Et là ça y est, il n'y a pas de violet, il y a de la connotation violet un peu partout. Mais là c'est noir et rouge pour vous montrer les dieux très anciens. Et ça m'a fait plaisir aussi. Donc le jugement, le regard qui pèse sur elle, comme le destin qui pèse un petit peu sur elle et son destin obscur. Alors toi tu n'es rien, alors Ashara fait l'erreur
bien entendu, de se confronter directement à ce qui lui parle, c'est-à-dire un petit poisson. Donc elle, elle imagine un petit poisson et elle se dit t'es rien. Et là, ça fait beaucoup rire Nisat. Je suis un dieu. Changement de timbre de voix, où on voit une voix plus proche de ce qu'il est, une voix très puissante, digne d'un dieu en fait. Une voix un peu malsaine, mais une voix très... Alors personnellement, je préfère celle de la négociation comme voix. Mais là, au départ, c'était le jeu de dupe, la séduction. Là, on est vraiment dans le « je lui monte mes balls » pour qu'elle voit un petit peu l'étendue de mon pouvoir, quoi. Là, c'est-à-dire qu'il lui met une vision. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement l'Empire Noir. C'est-à-dire, une fois que les dieux très anciens ont débarqué sur Azeroth, je vous laisse aller voir la vidéo sur Ragnaros pour plus de détails. C'est-à-dire que les premiers êtres à avoir dominé Azeroth, c'est les êtres élémentaires. Donc Ragnaros, etc. Ensuite, les dieux très anciens ont débarqué. Ils ont été envoyés par les seigneurs du vide, mais ça fera l'objet d'autres vidéos, ça. Les dieux très anciens ont débarqué, ils ont soumis les forces élémentaires et ils ont créé leur propre race, etc. Donc tous les Nérubiens, tous les Anki, les Akir, etc. Toutes les créatures insectoïdes et les pieuvres, tout ça. Et ils ont créé une espèce d'empire. Ça fait très sumérien, très. Ces espèces de pyramides en fait, ces espèces de pyramides. Des pyramides un peu. Ces espèces de ziggourats en fait, avec des grands obélisques un peu à l'égyptienne aussi. Alors personnellement, je suis tombé amoureux du rythme de tambour. Je me la suis regardé juste pour ça, hein. Parfois. Écoutez bien le rythme, la musique est super importante. Au départ, c'est de la musique plaintive, j'ai envie de dire, épique, avec voilà, là, très grec, très trois, etc. Ensuite, il y a les violons un peu horreur, et là, les tambours de guerre, les tambours de puissance, comme si on incantait, si vous avez regardé Apocalypto, ce genre de truc, où on invoque un dieu un petit peu. Avec ce rythme, cette rythmique, elle lui montre que voilà, t'es rien à côté de ce que je suis. C'est splendide. Et là, c'est quand même formidable. C'est-à-dire que Ashara, en voyant l'horreur de l'Empire Noir, donc de l'époque où les dieux très anciens régnaient sur Azeroth, le premier truc qu'il a dit, c'est splendide. Et là, on pourrait dire, mais elle est conne. En fait, encore une fois, Ashara ne respecte que ce qui est supérieur à elle. Et là, elle voit un empire immensément puissant, un être doté d'un pouvoir immense, et du coup, elle le trouve beau, en fait. Elle ne respecte, encore une fois, que ce qui est puissant. Et là, c'est un être ultra puissant, du coup, elle le trouve splendide. Rappelez-vous bien du nom, j'ai trouvé par contre que ce petit jeu de mots marche mieux en VO qu'en VF. C'est-à-dire que là, elle fait « c'est splendide », c'est The Mask. Mais elle aurait dû dire « c'est magnifique », normalement, parce que c'est « magnificent », je crois, en anglais, en VO. Et retenez bien ce passage, puisqu'elle va le redire à la fin de la vidéo. Donc là c'est aussi le moment un peu hentai, hein. On voit une petite elfe quasiment à poil, il y a des tentacules qui vont vers elle. Après l'idée de la tentacule qui vient vers elle au milieu de ces obélisques, dans l'idée, c'est très sexuel d'ailleurs. Ça fait très penser aussi à Alien, je trouve, avec des espèces de tentacules, un être. Là il n'y a que des formes phalliques au final, hein. Les obélisques, c'est presque qu'ils veulent empaler Ashara. Enfin, mais après c'est normal, c'est aussi pour le côté malsain, pour le côté domination, de puissance. Et il y a toujours eu cette thématique, mais c'est, encore une fois c'est l'horreur façon Ginger et façon Lovecraft. Mais du coup, vous avez ces tentacules qui vont vers Ashara en mode « Viens, rejoins-moi, rejoins-moi ». D'ailleurs un truc, petite anecdote, petite parenthèse, mais qu'il y ait autant de sous-textes sexuels. Même vraiment le début avec le poisson et tout, je sais que je suis pas le seul à l'avoir remarqué. Et alors peut-être que j'ai l'esprit mal placé, hein, c'est possible. Mais je pense que je suis pas le premier à l'avoir remarqué. Et c'est très intéressant parce que dans Warcraft, on évite. Alors on sexualise, bien entendu, il suffit de voir Ashara, Alexstrasza, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que l'amour, les relations sexuelles sont mis de côté. C'est du PEGI 12, elles sont généralement mis de côté. Donc on. Mais si vous avez lu certains livres, etc., il y a quand même des... Et au final, si vous regardez, enfin, vous connaissez des univers un peu matures, etc., enfin, le sexe fait partie, l'amour fait partie de... fait partie en fait d'un univers. Et dans un univers comme ça, vous avez des forces cosmiques qui veulent prendre possession des personnes, la thématique du viol, elle est présente en fait, hein. C'est normal. Donc voilà, elle est bouche bée. Alors c'est intéressant, c'est qu'Ashara commence, sa première réaction c'est... Voilà, elle est choquée de cette... Enfin, choquée dans le bon sens, hein, choquée dans le sens, elle est sous le choc d'un tel empire, d'une telle puissance. Elle vient de voir une entité très puissante. On voit la lumière qui... Et là, elle dit non. Parce qu'elle pose ses réflexions, elle fait non.
Parce que là, on pourrait se dire, c'est bon, il l'a convaincu. Non. Comment oses-tu ? Donc là, Nezaht commence à s'énerver. Alors c'est très intéressant parce que dans la plupart des débats, alors je parle pas de Twitch, hein, parce que ça n'existe pas, mais dans la plupart des débats, très souvent, on fait remarquer qu'en fait, quelqu'un dans un débat ou dans une négociation, celui qui commence à perdre son sang-froid, à s'énerver, souvent c'est celui qui perd la négociation. Donc ça, c'est intéressant, ça. Mais bon, ça ne marche pas sur Internet, ce que je viens de dire. Mais du coup... Pas en esclave. Voilà, là, elle répond. Alors, je trouve que l'image aussi, avec les cheveux qui se relèvent, ça fait très Fury. Et vous savez, c'est le maquillage aussi qui coule, ça fait très Banshee, je trouve. Ça fait très Banshee aussi, ce passage. Sachant que, bon, là, c'est une forme onirique, un peu, l'esprit. Si tu... J'adore ce passage. La musique s'arrête, les tambours s'arrêtent. Et laisse place, on continue un petit peu et on laisse place à voilà l'attaque du poulpe, l'attaque de Nezaht. Il lui dit bah je vais te tuer en fait tout simplement puisque là bon en gros je te maintenais en vie, maintenant je vais te tuer, c'est pas grave. Tu as essayé de m'insulter en refusant mon offre. Et là elle dit ok mais en reine. Donc voilà, c'est je veux pas te servir en esclave, je veux te servir en reine. Donc je veux être ton bras droit en gros. Et ce qui est très pas drôle, en esclave. Voilà, en reine pas en esclave. Et là, j'adore parce que Nezaht ça fait tout. Et on voit les tentacules qui se retirent un petit peu. Je vous regardez très doucement. Et elle se retire un petit pendant peu. Pendant 1000 ans. Et là, la négociation comme continue avec Ashara. Tu sais ce que je veux. Voilà, tu sais ce que je veux. Gna 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 gna. Je t'offre les miens, grâce à mon peuple. J'adore aussi cette musique un petit peu le sourd, l'espèce de corps un peu là, très, très Inception, avec au moment en plus où elle dit je t'offre les miens. Donc là c'est l'idée que bah, tous les bien-nés qui l'ont suivi, tous ceux qui sont encore à Azin Ashari, qui va devenir Najdhatar je le rappelle, c'est voilà, je t'offre mon peuple. Elle sacrifie son âme mais également tout son peuple pour vous montrer que le côté protectrice du début de la vidéo c'est complètement parti, hein, elle en a rien à foutre, hein, c'est vraiment team connasse numéro 2, hein, elle en a rien à foutre Ashara, c'est tout ce qui peut servir ses intérêts en fait, hein, et là elle est en train de négocier avec un dieu, donc elle veut, c'est aussi ça, elle veut être à l'échelle d'un dieu, et du coup son peuple c'est que ses esclaves, hein, et c'est assez fou, en plus elle dit je veux pas être en tant qu'esclave, je veux être en tant que reine. Et ensuite elle dit je t'offre mon peuple. Donc c'est voilà, je t'offre mes esclaves en gros. C'est assez énorme. Et là c'est là où par contre Ashara on voit qu'elle est quand même très badass, qu'elle a un certain charisme, une certaine puissance, elle transpire de la puissance parce qu'elle tient tête quand même à un dieu très ancien. Alors les dieux très anciens, je rappelle qu'au niveau cosmique ce ne sont que des parasites, mais à l'échelle d'Azeroth, ce sont des êtres immensément puissants, ce sont des dieux qui menacent le monde. Donc c'est ultra puissant et elle arrive à un être comme ça, un elfe de la nuit, arrive à tenir tête à un dieu très ancien, c'est quand même assez exceptionnel. Je lèverai une armée. Donc là elle dit voilà, je lève mon armée. Je triompherai de tes ennemis. Je serai. Je bâtirai un empire. Voilà, je te rebâtis. En fait là je te bâtirai un empire, c'est on est dans la vision justement de l'empire noir, donc c'est je te rebâtirai ton empire noir tout simplement. En tant que reine. Et elle veut être le bras droit de Nezaht, presque son époux. Voilà aussi en tant que reine, il y a encore le côté. Alors, pas d'amour, mais le côté lien direct, hein, avec Nezaht qui serait le roi et elle serait la reine, donc son égale. Hein, c'était aussi ce qu'elle avait fait avec Sargeras au départ. Et rester ici. Et du coup, là, elle négocie et elle dit tu m'as dit tout à l'heure que t'étais prisonnier, du coup, si tu me tues, bah tu gagnes rien, tu restes prisonnier. Donc, ok, tu seras un dieu, mais prisonnier. Avec moi, à tes côtés, si on est d'égal à égal, tu vas régner de nouveau. Pour l'éternité. Et là, elle est douée en négociation, la petite. Alors, il y a aussi une petite erreur de trad, là, je crois qu'en... Je sais plus si c'est... Je crois pas qu'ils utilisent le terme forgotten. Ils utilisent un autre terme en anglais, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, c'est... je joue sur les mots. Et là, du coup, on voit le cri de fureur de Nezaht en mode... J'accepte, mais c'était pas les termes que je voulais. Je voulais que tu sois mon esclave et c'est tout, pas mon égal. Donc c'est assez intéressant parce que là par contre on peut se poser la question, est-ce que Nezaht, moi je pense que oui, mais c'est vrai que dans Chronicles 3, qui est un livre pourri, pardon, je ferai probablement une vidéo sur les Chronicles, mais dans Chronicles 3, Nezaht en gros il le montre que c'est un manipulateur mais qu'honore jamais son contrat. Et je trouve ça dommage parce que voilà, c'est parce que c'est le méchant, il honore pas ses contrats, voilà, c'est le méchant, du coup il honore pas ses contrats. Moi je trouve ça au contraire, et d'ailleurs dans le pacte avec le diable, très généralement, les Satan, Lucifer, etc.,
honore son engagement. Il honore ses engagements, par contre, à la fin, bah, tu vas subir les tourments éternels. Hein. Mais il honore ses engagements, il y a toujours ce côté-là. Donc, je trouve ça un peu triste que Nisa n'honore pas ses engagements. Et dans cette vidéo, rien ne semble indiquer qu'il n'honore pas ses engagements. Et c'est d'ailleurs, je veux dire, si tu as décidé de lui mettre à l'envers, pourquoi il y a ce cri de rage? Écoutons ce cri de rage une nouvelle fois. Enfin, c'est clairement le cri de « je voulais pas ces termes-là », quoi. C'est... Enfin, normalement, ça aurait... si jamais il y avait de la manipulation, il aurait fait ah 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 ah, et puis c'est tout. Le rire de méchant de série B. Là, c'est un cri de rage primaire en mode connasse, mais t'es forte. Et du coup, voilà, c'est presque un aveu de faiblesse de la part de Nisat. Là, j'aime ce plan est assez long et assez bizarre parce que en fait, on a le sentiment. Alors, c'est très drôle. Regardez ce plan en regardant la lumière ici. Vous voyez, là, on voit encore une fois. L'œil, l'iris à moitié. C'est comme s'il y avait une focale un petit peu sur vous. Une focale qui est hop comme ça. Et elle rétrécit petit à petit. Mais alors je sais, là c'est pour montrer l'emprise des ténèbres. Les ténèbres qui vont s'insérer en fait dans Ashara. Et le fait que au début on sait pas trop. Elle-même peut-être a un peu peur. Parce que là au départ elle est encore fière, elle est encore haute. Ce qui est très intéressant encore une fois, les mouvements de l'œil. Là elle a les yeux pas quasiment elle a les pupilles quasiment dilatées. Enfin elle est quasiment, c'est comme si elle était morte quasiment. Elle va fermer les yeux, voilà, hop. Et vous voyez, regardez le plan petit à petit, le plan noir qui continue à se fermer sur elle. Elle va fermer les yeux. Elle ferme les yeux. Donc elle a fermé les yeux reprennent de leur éclat. Là, elle commence, c'est intéressant, elle commence à s'inquiéter parce que je pense qu'elle voit le noir justement qui l'envahit. Et petit à petit, ses yeux vont prendre de plus en plus de lumière justement. Voilà, là, derrière, voilà, là on voit encore le côté. C'est comme si elle était revivifiée. On sent le côté revivifié. Mais d'un autre côté, le plan devient une espèce de fondu au noir avec. Et là, ce plan, la doubleuse française est meilleure, franchement. Là, sur ce plan, je sais pas d'ailleurs, ça se trouve, ils ont repris la doubleuse en anglais, je sais pas. Mais le bruit est vraiment extraordinaire. On sent vraiment la douleur en fait. On sent la douleur et le tambour qui repart avec ce bruit insidieux. C'est comme ça le plan avec qui tremble un peu. L'œil encore. C'est peut-être la VO en fait. Hein. Les tambours de guerre comme ça sont magnifiques. Hein. La musique est extraordinaire dans la mise en ambiance. Je vous avais parlé de ces plans, vous savez, on avait des plans très 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 très, très ciblés, enfin très zoomés. Et on a aussi ces plans larges. Ces plans larges, mais sur le fond noir, sur un vide, ce qui nous crée une sensation de malaise. Surtout quand on se rend compte que c'est un œil, encore une fois. Et là, on nous met le rapport à l'échelle. Voilà ce qu'Ashara représente. Alors, encore une fois, alors en plus d'être le... C'est vrai que j'avais parlé de la thématique du cercle. Le cercle, c'est également l'état cellulaire, l'état de la vie, en fait. Nous-mêmes, on est tous nés d'un petit cercle. C'est une cellule. Et ensuite, la cellule s'est divisée, blablabla. Je ne veux pas faire un cours d'SVT. Donc, en l'occurrence, là, ce qui est très drôle... Alors, ça fait quand même un petit peu... repompe, bon après c'est leur propre univers hein, mais Starcraft, ça fait très Kerrigan et Lovermine je trouve, c'est vraiment la renaissance d'Ashara avec, alors ce qui est très intéressant c'est aussi le principe de renaissance, puisque là c'est presque une espèce de placenta en fait, le jaune que vous voyez, espèce de jaune d'œuf, hein, le placenta, avec au final, eh bien l'embryon qui est au milieu et qui est représenté par Ashara. Alors là vous avez le plan, alors bien sûr c'est un œil, mais en dehors de l'œil on a vraiment le côté, vous voyez là il y a la cellule souche on va dire, la cellule mère, et vous avez un petit peu le placenta qui va lui donner avec ces espèces de, voilà les traits de l'œil qui vont jusqu'au centre, ça fait vraiment naissance, ça fait vraiment embryon en fait, ça fait très embryon. Avec le bruit pour pas oublier la nature plus les tambours de guerre comme si le temps de Nisat est arrivé. Et là, on a la nouvelle voix de Nisat, justement. Et là, on voit la nouvelle apparence d'Ashara. Alors, c'est la méchante, comment elle s'appelle, c'est Ursula dans la petite sirène. L'apparence est quand même plutôt cool. Elle a les yeux jaunes, elle conserve ses yeux jaunes d'ailleurs. Et on voit tous les bien-nés qui sont devenus des nagas. Avec la nouvelle voix, bien entendu, d'Ashara en tant que Naga. Et le nouveau Splendide, hein, qui fait écho, bien entendu, au Splendide qui était ici. Vous savez, où elle avait découvert l'apparence, ce Splendide-là. Ce Splendide ici, vous savez, hop.
C'est splendide. Voilà, le splendide comme ça. Splendide. Et en VO par contre ça passe mieux ce moment puisque c'est Magnificent. Et là tout de suite ça fait ah oui d'accord, c'est ce moment, ok d'accord, c'est le Magnificent qu'elle avait lâché un petit peu avant. Puisqu'en plus tout à l'heure elle a dit c'est splendide, là elle a dit splendide, il n'y a pas le même truc, donc c'est un petit peu dommage. À côté de ça, on voit vraiment, là je trouve ce plan aussi exceptionnel avec l'œil au fond qui représente presque, l'œil est tellement gros en fait, il est tellement disproportionné qu'on a le sentiment presque que c'est une étoile. Une étoile, vous savez, une planète qui cache une étoile, ça fait très éclipse, sachant que je rappelle que on appelle ça l'heure du crépuscule, le moment aussi où on appelle ça l'heure du crépuscule, le moment où les dieux très anciens vont dominer le monde, donc ça fait très éclipse au final. Ça fait, avec la musique aussi, ça fait très aztèque, sachant qu'on est sur BFA avec les Andalari, etc., que l'Empire Noir c'était des grandes pyramides aussi, des espèces de ziggourats, même si ça fait un peu plus, c'est pas vraiment précolombien, mais ça fait quand même, là j'ai trouvé l'inspiration un petit peu aztèque, etc., avec une espèce de dieu et des serviteurs qui vont l'invoquer, etc. Enfin, je trouve vraiment ce plan absolument magnifique. Et encore une fois, les yeux très souvent rouges, qui indiquent, voilà, encore une fois la fenêtre de l'âme, là elle a vendu son âme au diable, c'est fait. Il y a de la souffrance malgré tout aussi au niveau des yeux, on voit le côté rouge, qui est la douleur aussi, et on voit qu'elle est, elle est... Alors la Renaissance pose une question aussi qui est très intéressante, encore une fois il y a le côté cocon avec Kerrigan et l'Overmind, je trouvais, avec cette puissance, l'Overmind qui est sensiblement un dieu très ancien hein, dans l'univers de Starcraft, une sorte de dieu très ancien, l'Overmind, et ce qui est très intéressant c'est de savoir si... la Renaissance d'Ashara, est-ce qu'elle est vraiment morte? Et alors comment se passe cette forme? Là c'est vraiment une question, je n'en sais rien. C'est est-ce que Nizzat a laissé mourir Ashara pour la faire renaître sous sa nouvelle forme? Donc est-ce qu'il y a eu la côté mort de l'ancienne forme pour la Renaissance? Ce qui serait très intéressant parce que ça voudrait potentiellement dire aussi peut-être une race de vache aussi potentiellement. Ça veut dire qu'il peut potentiellement ramener des êtres morts en vie. Ce qui a déjà été fait je crois dans l'histoire de WoW avec les dieux très anciens. Mais l'autre point c'est est-ce que c'est juste la renaissance symbolique avec sa nouvelle vie en fait, sa nouvelle vie de Naga, sa nouvelle vie de serviteur de Nizzat. C'est assez intéressant. Après voilà, moi je pense par contre que du coup la hiérarchie est respectée et que est-ce qu'on pourrait dire qu'Ashara s'est fait manipuler jusqu'au bout? Je pense pas qu'on aurait eu ce cri primaire. Sauf si vous allez me dire oui mais justement c'est pour donner l'impression que Ashara a gagné blablabla. Je pense quand même que Nizzat considère Ashara comme si ce n'est pas son égal, c'est comme Archimonde pour Sargeras. C'est vraiment le bras droit qu'il respecte beaucoup. Donc je vois un petit peu ce modèle-là. L'avenir de BFA nous le dira, mais je pense que ce serait un traitement intéressant plutôt que de dire qu'au final Ashara s'est fait manipuler bêtement. Nizzat est très fort, d'accord. Mais Ashara est très puissante aussi. En tout cas, j'aime beaucoup cette vidéo. Et aussi, une inspiration que je voulais le redire à la fin. J'adore les tambours de guerre. On a parlé de Lovecraft, je vais conclure cette vidéo en parlant d'une autre inspiration. Je pense que vous savez que j'adore l'univers de Warhammer. Et ce plan là avec l'œil immense qui consulte une personne avec le plan derrière aussi, avec cette espèce d'étoile qui est éclipsée par la puissance. La corruption d'un être qui va renaître avec une espèce de prince démon au final. Et la voix aussi de Nizzat. Moi je suis désolé, mais alors je rappelle que Warcraft à la base est un jeu Warhammer qui n'a pas été sous la licence Warhammer. Et là je suis désolé mais je pense tout de suite aux puissances du chaos. Et au final, ce qui est très intéressant, et je vais finir sur cette partie là, ce qui pourrait aussi nous montrer des choses dans le développement des dieux très anciens qu'on nous a pas encore, qu'on nous a pas sous-entendu, parce que très souvent en fait les dieux très anciens ont été un peu assimilés bien sûr aux grands anciens de Lovecraft, mais également aux quatre puissances du chaos. Je rappelle que dans le Warhammer, le chaos, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir hein, pour présenter un peu le monde de Warhammer. Vous avez quatre puissances de la ruine, quatre puissances du chaos primaire, c'est le... Bon on s'en fout des noms, mais vous avez quatre dieux. Quatre dieux. Alors il y en a plus que quatre, mais c'est les quatre principaux. Combien y a-t-il de dieux très anciens? 4. 4. Ne me comptez pas Goom, je vous vois en commentaire venir. 4. Du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire qu'en fait, c'est un panthéon, les dieux très anciens. Vous pouvez servir Nizzat, vous pouvez servir K'Toon, vous pouvez servir Yogg-Saron, etc. Au final, vous pouvez servir indépendamment, mais c'est une sorte de panthéon avec les quatre, que vous pouvez servir directement les quatre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence à voir que Nizzat, par rapport à K'Toon, etc., il est possible qu'il y ait des rivalités entre les dieux très anciens, comme les dieux du chaos, qui se livrent la guerre tout en s'unissant contre les autres races. Et c'est très intéressant, parce que pourquoi ça me fait dire ça?
écoutez bien. Et en VO c'est pareil, hein. En VO c'est exactement pareil. Je crois il dit Mai. Confirmez-moi, je suis à 99%, mais il me semble, voilà, c'est je régnais sur cette terre. Ce n'est pas nous régnions sur cette terre, c'est je régnais sur cette terre. Voici cette terre mon empire. Ton existence. Terre. Je régnais. Il parlait de l'empire, de son empire. Il disait mon empire. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y aurait un côté Diablo là-dedans avec le fait que... Alors c'est très Warhammer aussi, mais le fait que justement Diablo, s'il avait pu gouverner avec ses deux frangins, il l'aurait fait. Mais s'il peut gouverner tout seul à la fin, ça le dérange pas non plus. Donc est-ce que Nizzat essaye aussi d'en mancher ses frangins? C'est possible, c'est tout à fait possible. Mais je trouve ça très intéressant dans le développement du personnage. En mode, il est possible en fait que Cataclysm, pour aussi justifier le fait que Ash-Sara ne soit pas vraiment intervenu pendant Cataclysm, en mode Nizzat a aidé les autres à revenir, mais peut-être qu'en fait... voilà, lui, ce qu'il aimerait, c'est plutôt revenir tout seul, et il profite bien du fait que ses frangins se soient fait poutrer la tronche. Donc c'est peut-être aussi d'actualité. Moi, j'aime beaucoup l'apparence, justement, qui est sous-entendue. En tout cas, entre les tambours de guerre, le côté corruption, le côté démoniaque, j'ai vraiment eu l'atmosphère Warhammer aussi, qui est pas du tout une mauvaise chose. Et il y a son autre inspiration, je veux dire, dans Warhammer, vous avez pas des... Remarque, si, peut-être Slaanesh avec toutes ses nagas, etc. Mais c'est vrai que c'est pas non plus du copier-coller, attention, je parle pas de plagiat. Tout le monde s'inspire de tout le monde, hein. C'est vraiment, tout le monde s'inspire à plus haut, grande ou plus petite échelle. Mais là, c'est vrai que j'ai eu vraiment l'inspiration Warhammer aussi. Je ne sais pas en tout cas ce que vous en pensez. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a pas été trop longue. Alors, en tout cas, voilà, on en a parlé en détail. Moi, j'ai beaucoup aimé la vidéo. On va se quitter sur le moment de la corruption. Parce que c'était, moi, j'adore le moment où elle, les tambours de guerre. On va se quitter là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas bien entendu à me donner vos avis sur la vidéo. On n'a pas appris des milliards de choses, hein. C'est des choses qu'on connaissait déjà sur Ash-Sara, mais le contexte est c'est superbe, je trouve. Donc voilà, c'est une super vidéo. N'hésitez pas, voilà, à me donner vos impressions. J'espère juste qu'elle ne mourra pas lors du premier raid, ce sera un petit peu dommage après 17 ans de teasing quand même, et une vidéo de prémisse. Du coup voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions, à liker la vidéo, à partager autour de vous, à vous abonner bien entendu, merci d'avance de vous abonner. Il y a toutes les autres vidéos de lore qui sont disponibles sur la chaîne, donc je vous laisse aller voir tout ça, et on se quitte sur justement la transformation d'Ash-Sara. Bisous.